Pas me saouler, mais non, attends. Ça allait bien, j'étais pas vraiment vénère, mais... Taisez-vous. Oh my god, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac! This is insane. We need to go get some help. Hello? Guys? Hello, Samantha. Looking for me? We should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Why are we still talking about this? Let's go! Pourquoi ils sont séparés, ceux-là, aussi? Fire tower. Matt, what is that? I don't know. J'aime bien parce qu'il y a pas mal d'histoires différentes. Genre là, c'est mystique, quoi. Qu'est-ce qu'il va... Matt, what are you gonna do? What are you gonna do? Se calmer. Stay calm. Relax. They're just deer. They just want to check us out as all. No, 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 Matt. They're gonna hurt us. Qu'est-ce que je fais là exactement? J'essaie de passer? Est-ce que j'essaie de passer? Elle panique pour rien, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as pas vu comment ils sont arrivés sur nous tout à l'heure? On est au bord d'une falaise, mec. Moi aussi, je panique là. Hein. Je ferai comme le gars par contre, mais. Par contre, pourquoi elle nous suit pas? Elle est bête. Pourquoi elle nous suit pas? Pourquoi elle nous suit pas? Matt, please, you're killing them. Je savais pas que je savais pas qu'il allait faire ça. J'aurais pas dû. Je savais pas qu'il allait faire ça. You, get back. Oh, il peut mourir. Il peut mourir là. Il peut mourir. Vas-y. Rien à foutre. Rien à foutre. Pourquoi il l'a frappé? Mais c'est ma faute, hein, mais... Je pensais pas que d'un seul coup, il... Là, j'assume. Lui, c'est bon, il dégage. Il est con, hein. Il est con depuis le début. Oh my god. En fait, le problème, c'est comme c'est un jeu vidéo, quand il y a une action à faire, ben, t'as ce réflexe de la faire, tu vois. Je dis pas que t'as le choix sur le moment. Genre, à quel moment j'aurais imaginé que il y a tous les cerfs qui s'éloignent calmement, genre tout va bien, tu vois. Tout le monde, il est beau, il est gentil. Et d'un seul coup, le jeu te propose l'option de décapiter un cerf. Tu vois, j'ai pas imaginé une seule seconde que c'est ça qu'il allait faire dans l'action que... Tu vois? Donc le jeu, quand même, des fois, c'est un petit bâtard. Hein. Oui, mais je... Voilà, Riddler, c'est vrai, Riddler. Il a une hache en main et une cible. Mais tu vois, dans niveau situationnel, c'est quand même what the fuck. Pas une seconde, je me suis dit que ça lui viendrait en tête. Alors quand je l'ai fait, j'étais là. Quand j'ai cliqué dans ma tête, ça a instantanément fait « Merde, j'aurais pas dû ». Mais tu vois ce que je veux dire? C'est un vieux réflexe, quoi. Attention à Kuro, hein. Compote, attention à Kuro. Par contre, le mec après, j'ai fait exprès de pas essayer de le sauver. Tant pis. Tant pis, lui, il peut crever. Putain, ça se trouve, ils vont tous mourir, les gars. Ça se trouve, dans ma partie, ils vont tous mourir. Putain, c'est dur, en vrai. Tu veux la vérité? De quoi tu parles? Comment ça, tu veux la vérité? Le tips? Comment ça, quel tips? Un tips pour quoi, Fab? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Je te dis oui, tu vas me spoiler un truc. Je sais pas de quoi tu parles. De quel tips? Y a pas de tips. Je comprends pas ce que tu me dis d'un seul coup. Même c'est Julie qui raid! Let's go! Let's go! Voilà. Ils ont loupé le truc. Hein. Ils ont loupé le truc. Vous avez loupé une horreur là. Bienvenue les gars. Installez-vous. Bienvenue. Ta gueule!
comment s'est passé votre live? J'ai vu qu'il y avait du The Witcher 3 au programme, là. Est-ce que, mademoiselle Julie, tu as pécho cette fameuse Yennefer? J'ai vu que c'était dans ton titre. Je crois qu'à la fin de The Witcher, j'ai fini solo, moi. Je pense. Bienvenue, Matsek, bienvenue, installe-toi, Dark Angelus. Let's go, extrême, bienvenue, bienvenue. On est sur Until Dawn, les amis, on vient de vivre, malheureusement, des morts et des choses un peu trash. Le jeu me pousse à faire des choses que j'aurais jamais fait en vrai, tu vois. Je sais pas si vous connaissez, mais installez-vous. Merci pour ton follow, Xtreme. Merci, 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 merci. Bienvenue, bienvenue. Toujours pas pécho, elle veut me casser la gueule car elle croit que j'ai pécho Triss. Moi, je t'ai dit, j'ai fini tout seul dans The Witcher. Un masterclass, hein, ce jeu, masterclass. En tout cas, ici, dans le jeu dans lequel vous débarquez ce soir, c'est beaucoup de sang. Des gens dans le chat qui veulent du sang. Mes viewers, ils veulent que je tue les gens, alors que bon, moi, j'essaie qu'ils survivent. Malheureusement, on a déjà les pertes, d'ailleurs. Alors, faites attention pour les spoils, hein, ceux qui connaissent pas le jeu. J'arrive pas à voir ton pseudo, et mes alertes sont pas bien placées, là. Irona Katina, merci pour ton follow, bienvenue, bienvenue à toi, installe-toi. Attention aux spoils, je montre un truc. Parce que là, on peut ajouter une croix, là. On peut ajouter une croix. Attends, je vais vous lire juste après, hop. Malheureusement, lui, c'est fini. Alors les autres, on sait pas encore. Il y en a qui sont en suspens dans le jeu, mais... Donc Until Dawn, jeu d'horreur où chaque choix a des conséquences, les amis. Tout part d'une histoire où c'est 8 amis qui partent à la montagne, rien se passe comme prévu. Et vraiment, des fois, tu dois choisir entre aller à droite ou à gauche, et en fonction, il se passe des choses. Donc bienvenue à vous tous, d'accord? Installez-vous, j'espère que c'était chouette de votre côté, hein. Je l'ai fait Until Dawn, il est trop bien. Franchement, il est bien, mais les personnages, ils sont cons quand même, quoi. Ils sont vraiment cons. Là, je viens de faire les pires choix de ma vie. Il s'est passé deux dingueries d'un seul coup. Ma manette, à mon avis, elle déconne, hein, la manette PS5, parce que je devais pas bouger. Tu vois, j'ai un personnage qui s'était caché, et j'étais pas censé bouger la manette. J'ai pas bougé, et le jeu a enregistré qu'elle avait bougé. Du coup, elle s'est fait capturer. C'est pas ma faute. Des fois, il fait des choix de décapiter un cerf. Non, les gars, je vous ai expliqué pourquoi. On en apprend beaucoup sur la nature de Bata. Arrêtez. Ouh. Bref, j'avais mis pause parce que des fois, il faut souffler un petit peu. Kaizen. Oh, pauvre Kaizen. Mais qui se refasse un compte, hein. J'ai passé 5h30 sur The Witcher. J'ai pas vu le temps passer. Ah, oh, mais c'est une masterclass. Je l'ai fait à sa sortie. C'est un de mes jeux préférés. Un de mes jeux favoris, mademoiselle Julie. Vraiment. Je me suis dit un jour, si je dois refaire The Witcher... Ce serait la récompense si un jour je deviens partenaire sur Twitch. Je m'étais dit ça au début, que je me permettrais de refaire un aussi gros jeu, parce que ça prend du temps, hein, que le jour où je deviens partenaire. Est-ce que je craquerai avant ou pas? On verra. Hein. Bien joué, saga. Espèce de noob. Bref, la morale de ce soir, c'est que c'est pas moi le psychopathe. Ce soir ici, c'est Bata. C'est quoi partenaire? Partenaire Twitch, la fraude. Partenaire Twitch, avoir un vrai contrat avec Twitch. Être un streamer officiel, si on veut. Bon, allez, je mets play, on va voir ce qui se passe. Hein. Là, on joue Emily, du coup. Et Matt vient de mourir sous ses yeux après avoir décapité un cerf. Oh là là, les gars, ça fait chier. C'est stressant. Rien se passe comme je l'avais prévu de base, les amis. Je perds le contrôle. J'avais le contrôle jusqu'ici. J'avais le contrôle et tout est parti en vrille. Ouais, il faut 75 de moyenne sur le dernier mois et parfois ça suffit pas. Parfois ça suffit pas. Mais ouais, il faut être un gros streamer quand même. Et de là, ça peut débloquer des partenariats, des professionnels pour avoir de l'argent, tu vois, avec des entreprises un peu plus poussées qu'à notre niveau. Ah, on arrive à la tour. On arrive à la tour. Allez, je retire mes lunettes, là. Mademoiselle Julie, encore merci, hein. D'ailleurs, j'envoie la chaîne de Mademoiselle Julie dans le chat. N'hésitez pas. Mais...
Non. Non, 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 non. Mais ils vont tous mourir, moi, dans le jeu. Regardez! On va clairement jouer à un jeu à la roulette russe, quoi. Sauf que c'est pas une roulette, là, mais... Ah, on va devoir faire un choix. Genre sacrifier quelqu'un, genre avec le flingue. Oh là là, ça va partir en vrille. De rien, mademoiselle Julie, hein, de rien. N'hésitez vraiment pas à cliquer, hein. The Witcher 3, hein, vous connaissez, hein. Le jeu qui va venir au bout d'une heure. Mais franchement... Mais en fait, je me rends compte que je maîtrise pas le jeu. Alors, vraiment, j'ai eu un moment, j'ai pas eu de chance. D'ailleurs, ça m'a énervé, j'ai vraiment pas eu de chance sur un move. Vraiment, ma manette, je ne bougeais plus et ça enregistrait un mouvement. Donc, ça m'a énervé. Mais vraiment, les choix que je fais, ça se passe mal, quoi. Tout à l'heure, je t'explique un peu. Je suis avec Matt. Et on doit passer à travers une horde de cerfs. Il y a des cerfs devant nous dans la forêt. Et on doit avancer tout doucement. On a une hache qu'on a récupérée plus tôt dans le jeu. Les cerfs, ils se reculent tout doucement. Ils nous laissent passer, les cerfs. Ils sont gentils, c'est des gentils, des animaux, tu vois. Et là, d'un seul coup, le jeu me propose de cibler un cerf et d'appuyer sur R2. Et moi, j'ai le réflexe du gamer. J'ai ciblé le cerf, j'ai appuyé sur R2. Si j'avais pas fait ça... Le personnage de Matt n'aurait pas tenté de décapiter le cerf avec la hache? What the fuck? Pourquoi il a fait ça? C'est là que je te dis que je maîtrise pas le jeu, c'est que là, je n'avais qu'à rien faire. Mais ils m'ont pas laissé de choix, il n'y a pas eu de choix. C'est vraiment, il y a une action à faire. Moi, je l'ai faite. Réflexe de gamer, tu vois. Et du coup, il a décapité un cerf. Et après, il est tombé de la falaise. J'ai pas essayé de le sauver, je l'ai laissé mourir. Parce que là, il a commis une erreur. Il méritait de mourir. Mais vraiment... Si vous avez un cerf, n'invitez pas votre chat. Mais j'ai rien fait! Moi, je l'avais jamais fait, mademoiselle Julie, je découvre. J'avais joué 20 minutes. À l'époque, avec mon ex-copine, j'avais testé 20 minutes. Genre vraiment 20 minutes, et on avait arrêté parce que, en fait, on avait autre chose à faire à ce moment-là, quoi. Parfois, les meilleurs choix, c'est de rien faire. Ils avaient dit ça dans le didacticiel? Ils avaient dit ça? Dans le didacticiel? Ils avaient dit, parfois, le meilleur choix, c'est de rien faire? Et tu vois, je peux pas recommencer, quoi. Tristan attaque, bienvenue en lurk. Ça roule, Trista. Ça roule. Alors, n'hésitez pas, je loupe beaucoup de messages parce que je suis à fond dedans. Je vis le jeu à 300% et je sais que je loupe des messages. Des fois, je lis des messages, je ne vous réponds pas spécialement. Chef Gamers, lui, je te lis pas. Hein. Je peux pas lui faire confiance, quel bâtard. Santé grain, niveau 131, let's go. C'est grind, c'est bien. Il a commis une erreur, il mérite de mourir. Attends, il a décapité un cerf. Ils étaient gentils, les bambis, là. Hein. Ça dérange si j'enferme Kurokawa quelques heures dans mon cabinet de psychologue de chez Amazon. Compote, vas-y. Essaie de décortiquer ce qu'il a dans le cerveau, mais fais attention à toi. Attache-le. Hein. Vas-y, maintenant, ne fais plus de choix. On va voir. Bon. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? À mon avis, il n'y a rien. Ah, si, un passage. Attends, mais non, ça recule, ok, non. Bon, ben, on va tenter d'y aller, hein. Alors, je crois que c'est la pire idée, non? En vrai, j'y vais ou j'y vais pas? Parce que, tu vois, c'est ça le problème, c'est que là, j'ai le choix de retourner en arrière, non? J'ai le choix de retourner en arrière, tu vois? Moi, je pourrais essayer. Viens, on essaye. Viens, on fait comme si on n'écoutait pas le jeu, tu vois. Viens, on les emmerde, on se casse. Des bisous, mademoiselle Julie. Merci beaucoup pour ton raid. Merci beaucoup. Bon appétit à toi. Apporte-moi un bout parce que j'ai faim, s'il te plaît. Et puis voilà, des bisous. Alors à mon avis, c'est pas une bonne idée ce que je fais, hein, mais j'ai envie de pas être d'accord avec le jeu. J'ai pas envie d'être d'accord avec le jeu, je tente un truc, je crois pas que c'est une bonne idée. Je crois que le jeu va me dire à un moment... Oh non, voilà. Ah non, c'est bon. Ah si ! Voilà, le jeu me dit cul-de-sac. Oh non ! Mais pourquoi, genre ? Eh les gars, j'aurais tenté, hein. Si quelqu'un meurt encore, c'est pas ma faute, hein.
Des brochettes, let's go! Tu sais apporter du ketchup aussi, s'il te plaît? Merci. Et de l'eau fraîche aussi, hein. Merci beaucoup. J'ai si faim. Bon, les gars, désolé, hein, on remonte, hein. Le jeu est mal fait, quoi. Soi-disant à choix multiples. On te harcèle, Kurokawa, parce qu'on a compris que tu es un tueur en série. Que tu revenais tous les 10 ans pour massacrer des jeunes adolescents. Kuro, c'est pour ça qu'on est... Hein ? Du ketchup, si tu veux, bata. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Mauvais joueur, Batachan. Mauvais jeu, ouais. En vrai, il faudra que je me concentre, parce que là, le jeu, il m'a pour l'instant. Oh, je suis triste pour Sam qui s'est fait capturer. Oh. Matt, il pouvait bien crever, tu vois. Ça m'énerve parce que c'est des erreurs. C'est des erreurs que j'ai commises. Enfin, surtout avec Matt, mais... Bon, on y va? Vraiment l'idée à la con, hein. Genre, elle aurait pas dans l'idée de crier... Josh? Ah non, Josh, il est mort, mais genre... Chris, c'est toi? Tu vois, genre, on se connaît. Tu sais, comme les soldats américains, quoi. Foudre, tonnerre, enfin, tu vois ce que je veux dire. Un petit signal qui rassure. Parce que là, elle y va, en sachant qu'il y a quelqu'un, en sachant qu'il y a des problèmes, enfin... Que d'émotions, ma pipou. Une pensée pour le cerf. Rien d'autre, il n'y a qu'une échelle encore. Franchement, il faut pas y aller, hein. Foudre tonnerre. Mais t'as pas la rêve, psychotique? T'as pas la rêve du foudre tonnerre? Je sais plus si c'était exactement ça. Mais à la guerre, les soldats, en tout cas certaines escouades, ben, ils allaient crier foudre. Si en face, ça criait tonnerre, c'est que c'était des alliés, tu vois. Ici, juste, ils crient Chris! Et lui, il fait « Oui, c'est moi !» Enfin, tu vois. Mais elle crie pas, donc elle fonce dans l'inconnu, tu vois. Bon, bah, du coup, j'ai expliqué vite, mais t'as compris ce que je veux dire? Je crois que c'est les soldats américains qui faisaient ça. Deuxième guerre mondiale. Dans Forrest Gump. Ouais, mais dans la réalité aussi. Bon, elle, on va essayer qu'elle survive, elle, hein. Il y en a marre. Elle, c'est une garce, mais je l'aime bien. C'est une... Elle a un caractère, il faut qu'elle survive, tu vois. Alors, avant de fermer, regarde, ouais. On a une porte. On a... un micro-ondes. Ah! Là, peut-être qu'on a des munitions, là-dedans. Anna Washington a été aperçue pour la dernière fois près du chalet de ski à Blackwood Pine, Alberta, entre 1h30 et 2h30 du matin, le 2 février 2014. Elle semblait en grande détresse. Blablabla, porter des trucs, machin. On se rappelle, hein. Donc Anna, ici, qu'on vient de voir dans le jeu, c'est donc une des deux sœurs qui est morte. Ah, mais elle est croix, du coup. Ah, faites pas attention aux croix rouges. Ouais, bon, c'est vrai que là, du coup, ça fout la merde un petit peu. Ça fout un peu la merde. Une pub trop genre, c'est un signe. What the fuck? J'avais pas capté, mais j'ai un giga décalage sur mon PC. Actualise, Kaoki. Actualise, ferme la page, relance-la, et il y aura moins de décalage, normalement. Sur PC, ça devrait aller, hein. C'est bizarre qu'on ait pas retrouvé les corps des deux sœurs. Mais, attends, les corps ont été retrouvés, non? Ouais, j'ai fait un PowerPoint. Ouais, les corps, ils ont été retrouvés, non? De Anna et Bess. Je pensais. Je sais plus. J'ai oublié, je crois. Non? Ok. Après, c'est pas trop étonnant, vu que y a les tueurs qui font des trucs bizarres avec les corps, ici. En vrai. Non? Ok. Attends. Avant la radio, il y a ça, là. Qu'est-ce que c'est? C'est un micro-ondes? Une imprimante? Ça, c'est ouvert ou c'est fermé, ça?
Ok, c'est ouvert. Il n'y a pas de courant, donc... ok, il n'y a pas de courant. Regarde derrière toi, regarde derrière toi. T'as ouvert la porte. Great, no power. Gotta be a switch or something around here. C'est vraiment Resident Evil, hein. 50 kilos, il faut manger, madame. Pourquoi? Oui, 50 kilos, c'est très peu, mais... Il y a plein de filles qui font 50 kilos. Les plus jeunes et plus fines, 50 kilos, c'est pas choquant, je crois. Pour moi, c'est choquant, mais en soi... Ah, les générateurs. Attends, je vais faire le tour d'abord. Rien à signaler. S'il y a un mec, il est bien planqué, hein, non? Vous pensez pas? Ah! Tu te rappelles que la lampe, elle s'est allumée plusieurs fois, là, tout à l'heure? Il n'y avait pas autre chose là? Il n'y avait pas une boîte ici? Ouais, là il y a un truc. Hein. Oh, fusée de. Ça, tu vas le garder bien au chaud. Tu le tires pas maintenant. T'en as pas besoin maintenant. Hein. Non? Non! Gardez, gardez. Oh, on peut le garder. Ça, quel plaisir. Oui, ça dépend du gabarit, hein. Je crois que Kuro s'est calmé, je l'enferme quand même dans mon cabinet. Kuro, est-ce qu'il s'est calmé? Oui, c'est vrai qu'il s'est un peu calmé, Kuro. C'est vrai qu'il s'est un peu calmé. Ouais, tu peux... Non, c'est bon. Ah, voilà, tu fais 48 kilos. Non, non, voilà, 50 kilos, c'est pas choquant, hein. Pour une fille. 42 kilos, et pour moi, je suis déjà trop lourde. Bah, non, il faut faire attention, hein. Déjà, le poids, on s'en fout. Visuellement, tu dois te plaire, ça, c'est vrai, mais les kilos, le chiffre, on s'en bat les couilles. Les gars, il faut... Faut vous plaire physiquement. Ah oui, très, très peu de gens se plaisent physiquement, c'est vrai. Moi le premier. Mais le chiffre, on s'en fout, tu vois. Le chiffre, ça peut être un repère si tu décides de te prendre en main, si t'as du poids à perdre. Mais le chiffre, il faut pas tomber dans le... tu vois, dans le chill. Dac? Ok? Tu calmes? Ouais, on te garde à l'œil, Kuro. Attention, hein. Attention, hein. Ici, c'est pas le goulag, hein, qu'on t'envoie, c'est au cabinet de Mademoiselle Compote, hein. Et là, moins drôle, hein. T'es pas moche, t'es juste pas ton type. C'est... Ouais, peut-être. Peut-être. Ah mais je suis pas moche, hein. Je suis un BG de fou, hein. Je suis un méga... Attends. Je te rassure. Je suis un méga BG de fou, mais je dois juste perdre du poids, quoi. Je dois faire du sport, c'est tout. Mais ça, je suis trop beau. Quoi de neuf? Bah, Anaïs, sur rien de spécial. Ça va. Je sens que j'ai encore ma gorge un peu... j'ai un peu la voix cassée encore, mais tout va bien. On est bien. Et toi, quoi de neuf, Anaïs? Tiens, un tranquillisant à côté s'il faut. Vas-y, c'est bien ça. Goulag, c'est plus drôle. Si, si. Mais Kuro, c'est un cas spécial aujourd'hui. Je te pécho la fraude. Oh là, c'est gênant ça. Ça va vraiment devenir saga fraude là, hein. Allez, on enchaîne. Du coup, ça c'est quoi? C'est une imprimante alors. Ah, c'est un fax? Sorry, you're still missing too, Beth. L'autre sœur, hein. Attention, c'est maintenant que peut-être tout va basculer. Oh, un garde forestier! Mais pourquoi tu dis shit? Attends! Oh my god! Thank god! We need help, please! Hello, is someone trying to contact us? This is the Park Ranger Service for Blackwood County. I'm not getting your signal very well. Trop tard. Elle va se faire embrocher maintenant. Please, please help! Oh my god, we're stuck on Blackwood Mountain and there's a maniac! If you can hear this, please repeat your message as I'm unable to understand what you are saying. We need help, please! Hello? Can you please identify yourself? Over. Obtempérer, insister. Mais obtempérer!
This is... My name is Emily. Hello? You're not coming through clearly. Please repeat. Over. Insister, nous allons mourir. Mais on n'insiste pas, on informe, nous. We're on Blackwood Mountain by the ski lodge. There's a killer and he's after us. Non, j'ai pas vu sur Twitter. J'ai pas vu Anaïs, j'irai voir. J'irai voir tantôt. Ça va? Attention. Let's go. Léoli, des bisous, hein. Des bisous, Léoli. Je comprends. Oh my God, mets-toi sur la plaque. Mets-toi sur la plaque. Mets-toi sur la plaque. What? C'était très bizarre, là. Il est pas tombé. C'était quoi, ce bruit? Oh boy! Oh my God! Oh no! Oh no! Je vais pas devoir bouger, c'est sûr. Elle est dans Jurassic Park 2 là! Triangle! Émilie, tu dois survivre. Allô? What the fuck? Elle est pas morte, mais c'était... on n'a pas vu hein, ce qui s'est passé bien là. What the fuck? Très bizarre. Donc il y a une créature, parce que c'était pas un être humain, qui a essayé de passer par la trappe. Ensuite, ils ont coupé les câbles sur les côtés. Bon, le feu, il a pris un peu facilement. Il fait très froid et tout. Il y a une petite étincelle près d'une prise et ça a foutu le feu. C'est un peu étrange. Bon, j'aime bien comment c'est parti en vrille très très vite. Hein. Holy moly. Qui a besoin de parler à la psychologue compote? Écoute, je ne sais pas. Peut-être Kaioki, ouais, peut-être. Hein? Kaioki, je t'ai mis un gollum dans le vent, toi, tout à l'heure. Chet. C'était vraiment pas le bon moment pour ça. Rip or not. À mon avis, elle a envie. À mon avis, elle vit toujours. Moi, je l'aimais bien, moi, encore. Je l'aimais bien. C'est la Ada de Until Dawn, non? Allez, je bois un peu d'eau. Là, on passe à Ashley. Ashley qui s'était fait assommer par un clown et kidnappé. Où est-ce qu'elle va se réveiller? She wasn't up there? I don't know, I didn't see her. She must have come down here. I haven't seen her either. Hein? Attends quoi? Ah oui non, je suis con. Oui, c'est bon. Oui, je suis bête. Je suis con, c'était il y a longtemps ça. Évidemment qu'ils se sont retrouvés depuis. Sorry, je suis trop bête. Ils se sont retrouvés et malheureusement, ouais, Josh est mort. Comment j'ai pu oublier ça moi? What the fuck? That just happened. Damn it, what is going on around here? Après, on se rappelle qu'il y avait l'esprit de Anna qui essaie de nous communiquer. Oh, il y a Josh sur la photo. Regardez la petite photo là. C'est Josh, il est mort, il est plus chez moi, il est coupé en queue. Oh. Trop le seum, je me vengerai. Tout ce que tu peux faire, c'est repayer un golo, mais cette fois-ci, je. Chris. Yeah, what? Chris, I just want to say. Attends. What happened back there in the shed? I know. How hard that was. Josh was your friend. Ashley, stop. No, I want to say, I mean, thank you. Thank you for saving my life. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Sure. I mean, I'd do it again. Of course. On n'a pas fait exprès de la sauver, elle. On voulait sauver Josh, nous, à la base. Janice!
comment ça va? 10e mois d'abonnement. Y'a un problème avec les sons, hein. Ça dégoûte, hein. Et merci. Le plus incroyable des chauves. Je sais. Tu vas bien? Installe-toi, bienvenue sur le live. Sauti veut des tranquillisants. Ah ouais? Tu l'envoies chez Compote. Compote, t'as entendu, il y a Sauti, c'est la poupée d'Anaïs. Tu peux la prendre, à mon avis, elle a besoin d'un traitement. Apparemment. Casse l'ambiance là. Mais non, on est bien là, on est bien. Gran, elle casse l'ambiance là. Ah non, elle a mis en rouge, ça va. Ah non, c'est Miko Mike. Il y a un peu le chat. Mon rendu se termine là. Ah, let's go. Hein. Combien de temps ton rendu? Combien de temps ça a mis? Certains montages, ça peut mettre des heures. Ça va bien, et toi, très cher? Pourquoi? C'est toi qui as parlé de tranquillisant? Anaïs, et Compote, elle a des tranquillisants. C'est pour toi que je dis ça, tu sais, Anaïs. On va le suivre, hein. C'est quoi ça, là? Ah ouais, c'est la fameuse photo. Tout le monde l'a vu, hein. Bon, ben, ces trois-là sont morts. Ils sont tous les trois morts, et on se rappelle que, de nouveau, Anna, elle a ce tatouage papillon, quoi. George et ses adorables sœurs, Anna plus Beth, vous avez l'air de vous éclater, 2013. Eh ben... Oh, yeah, la salle de cinéma. I know you and Josh were close, Chris. Let's just find Sam, okay? That's what we're doing. I mean, oh my God. Ashley, just stop, okay? I don't want to think about what just happened. Chris, we're finding Sam. C'est ici qu'on a perdu Sam, les amis. Attends, mais qu'est-ce? Arrête de faire les demi-tours là. Ah si c'est possible, peut-être juste un mec derrière la porte, défoncez-la la porte, vite. That's really creepy. Ah oui, c'est creepy de ouf, ouais. Bonne réaction. Ah ok, là c'est... Ouais, bon là, tu peux te dire, ok, il y a un truc chelou, d'accord. Ah, la fraude, tu restes. Ah non, tu restes la fraude, hein. Elle, ça perd une chose du groupe. Mais, attends, mais Graham, tu te fous de ma gueule? On n'a pas le droit de dire qu'elle, elle casse les couilles, genre elle pleure. Tu te rends compte que, il y a 15 minutes, peut-être 20, allez, elle était ligotée, attachée à côté de son pote, ok? Avec une scie circulaire devant eux, ok? Hein? Et un autre pote, Chris, devait choisir entre qui, enfin, qui allait mourir, quoi, entre deux. Donc son pote qui est à côté, hein, juste à côté, hein, se fait littéralement, mais vraiment découper en deux totalement. Donc totalement, tout sort de son ventre, voilà, elle est à côté. Elle a encore son sang chaud ici, et tu dis que c'est une pleurnicheuse? Gran, tu connais le jeu. Mais je m'en fous, dis pas ça, mais non, c'est pas une pleurnicheuse. Pas après ce qu'elle vient de vivre. Là, elle peut chialer, elle peut appeler sa mère si elle veut. Je serais même pas en mode elle m'énerve. Si là, elle devait se mettre en PLS dans un coin et appeler sa maman, je lui dirais c'est normal, tu vois. Après ce qu'elle vient de vivre, même si tu connais le jeu, machin, m'en fous. Là, elle me dit pas ça, mais non, quoi. Mais je t'agresse pas, hein. Juste, là, elle peut chialer, hein. C'est normal, putain. T'as vu ce qu'ils vivent? That, Chris, that! What that was that? It was like a see-through shape, like a ghost. Oh, boy. Hein, j'ai cru voir une personne, moi, pas un fantôme. Why don't you believe me? I said I saw it. Doesn't that count for anything? We've been through hell tonight, okay? Your mind is fried. My mind is fried. I don't even trust what I've been seeing. Ta gueule, Chris. T'as insisté au concédé. Alors, on va pas dire j'ai vu un fantôme, parce que lui, il est con, il veut... De toute façon, voilà. On a qu'à faire genre, on a rien vu pour l'instant, et on verra, quoi. Bah, moi, si... Bah, écoute, ouais. Moi, je répète, si je vois mon pote se faire couper en deux comme je l'ai vu là, je suis dans mon droit de chialer et d'appeler ma mère à l'aide, hein. Et le premier fils de pute qui me dit que je suis un pleurnichard à ce moment-là, je le tue. Voilà. I don't know, I saw something, Chris. Ash, it's okay. You're just, we're both kind of out of our heads right now. I mean, we just,
We gotta pull it together, okay? You with me? Chris. Let's just keep our heads. Are we going crazy down here? It's the only place left Sam could be, Ash. I wish we could just go find everyone else and... What if Sam needs us? What if she's in trouble? Ouais, elle a besoin de vous. Il faut aller la chercher. Let's go. Let's go. Mais là, il se dit pas que c'est bizarre? Il y va en courant! Mais mec, attends! Gros! Je peux comprendre qu'il la rassure en mode, t'inquiète, les fantômes, ça existe pas, mais le mec, il ferme les yeux, quoi, là. Un petit peu. Hein? 2 heures de rendu pour 22 secondes d'édit. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait très mal, Chef Gamers, hein. La fraude, je me demande si t'exagères ou pas, hein. Je suis curieux, hein. Très curieux, hein. Allez, on va suivre Chris. Sur combien d'heures de live? 3 heures de live. YouTube, 36 minutes. Chris, pourquoi on s'est séparé alors qu'on sait qu'il y a des problèmes, putain? Merci, Chris. Allez, on va essayer de secourir Sam, les amis. Il faut secourir Sam. Sam? Sam Gonji? Whoa, you gotta be kidding me! What the hell is going on? Attends, mais... Oh my god, that scared me. Sam, elle est pas ici. You knocked into it, right? I mean, you knocked into it? I don't think so. I mean, I don't know. Attends, parce que... Everything gets so freaky around here. Door slamming and candles lighting out of nowhere and that specter or whatever Ashley, it was. I think you're kind of ignoring what's really happening here. Don't tell me you didn't see that translucent white figure just passing right by us. We could be seeing things. I'm not imagining things. Yeah, well, I mean, I saw things too. I saw what happened to Josh in the shed. You know, that's what I'm worried about. Oh, Chris, I know. I know. You know what I'm really worried about? Dire que... Okay, I'm worried about Sam. What's happened to... Wait, Chris, the ghost! What? Didn't you see it? No. You were looking at your phone, you dip. What are you tweeting? Hashtag, there's a freaking ghost after us. Ash, calm down, okay? There is no ghost here. Ghost of what? Oui, au pire, il n'y a pas de ghost, mais il y a bien un problème, frère. Arrête. Tiens. Il semblait à Anna. Jesus, Ash. What do you think? They followed us up here from the séance? I don't know, maybe. They didn't, because ghosts don't exist, okay? Oh, okay, who was talking? Ils m'énervent tous les deux. Après, ils paniquent. Après ce qu'ils ont vécu. Mais ils sont énervants, hein. How does a picture just jump off the wall like that? Oh. Ah, Janice, j'ai adoré mon festival. J'ai adoré. C'était au Pukkel Pop, du coup, bah, tu sais. Hein. C'était entouré de flamands, donc les gens parlaient néerlandais. Donc c'était parfois compliqué, mais au final, c'était très cool. Ils parlaient bien français ou anglais, donc c'était bien. Et je sais pas, est-ce que t'as vu des stories ou pas? Désolé, je vire le sujet, mais t'as vu des stories ou pas du festoche? C'était trop bien. On en a pas mal parlé en live hier et ouais non c'était feu, j'ai vu pas mal d'artistes que j'ai kiffé et voilà hein. J'ai pas beaucoup dormi, mais je suis quand même en forme, tout va bien, voilà. Et toi tu avais dit que peut-être tu viendrais un jour, c'était sûr que tu viendrais pas mais ça aurait été insane, ça aurait été fou. J'ai loupé le sommeil si j'y vais pas maintenant, bah des bisous la fraude alors, ciao, hein. Merci d'être resté si longtemps, dors bien, hein. À la prochaine. Hein. Je suis frauduleux, pourquoi quand j'ai peur ton rythme cardiaque il descend? Mais je crois que je suis assez calme. Le jeu met sous tension, mais il y a tellement de décisions un peu bêtes qui ont été prises. Il y a eu tellement de morts très rapides et brutales que la tension est vachement basse pour moi, j'ai l'impression. Le syndrome de la culotte retournée. Très bizarre, Anaïs. C'est quoi ce syndrome? Je voulais un petit peu, hein, désolé. Vous inquiétez pas, on continue juste après. Pourquoi les filles qui s'appellent Ashley dans les jeux d'horreur sont toutes chiantes? Tu connais une autre Ashley dans un jeu d'horreur? Mais moi, je la trouve pas chiante, hein. Alors ouais, là, ils sont tous les deux très énervants, mais quand je me mets dans leur putain de situation, je les comprends, tu vois ce que je veux dire? Dessiner tous les deux. Ah non, putain, Coro. Attention, il y a Coro qui serait en balle, là, hein, compote. Je vais y aller, j'avais une place. T'avais une place?
C'était loin, j'avais un autre festoche plus près de chez moi. Oh putain, Janice, tu fais chier. Sorry, hein. Je comprends, c'est loin, je comprends, mais merde. On sera rangé, quoi. Oh, t'es nul. Tu déçois de ouf. Coralie BVS, bienvenue. Merci pour ton follow. BVS, ça fait Batman versus Superman. Voilà. Ça me fait penser à ça. Merci pour ton follow, installe-toi. Bienvenue, bienvenue. C'est à cause du tranquillisant? Ah, ok, ok, compote. On va diminuer le tronc au charbon. Comment ça, pourquoi? Pourquoi tu dis ça, Adara? Ah. Ça fait boire votre sang. Ça, c'est pour Kuro. Hein. Les journées mondiales sans culotte. Ah, ah, ok. Ah, j'avais pas compris ça comme ça, Anaïs. D'accord. Vous bien ensemble, tous les deux. Là, le couple, ici? Tu penses? Ménard avec son gros front, là. Tu parles de qui, frère? J'espère que tu parles pas de moi, hein. Désolé, on fait une micro-pause comme ça pour discuter, sinon je vous lis jamais. Donc, faut y aller mollo, hein. Voilà, faire n'importe quoi, là. Bon, allez. Ah, dans RE4 ah. J'ai hâte de le découvrir, hein. Ouais, Chris, il a un méga front, c'est vrai. Après, moi, si tu veux, j'ai un méga front aussi, hein. Allez, on enchaîne. Bon, on va voir ce qui se passe, hein. J'ai chaud aux fesses, les gars. Rester assis sur son bureau comme ça, mes fesses, elles sont chaudes. Voilà. Oh. Oh, Chris, retourne-toi cette fois, Chris. Chris. Tu l'as vu, là? That's, Il l'a vu. I just... Attends, Chris. Non, Chris, attends. Non, mais attends, parce que là, il y a peut-être quelque chose, là. J'ai pas été, là. Chris, j'espère que t'es pas trop allé loin tout seul. Ok, ça va. Allez, go, on la suit, viens. Et de rien pour l'info incroyable. Hein, de rien les gars. Le jeu stimule les fesses de bâtard, on dirait. C'est si bizarre comme phrase. Ah, c'est si bizarre comme phrase. Look, of course. You can see in the windows. See what? Tiny furniture? No. See what? Des petits meubles? Yeah. Ouais, c'est la scène qu'ils ont fait. Oh. Anna est occupée de se venger, les gars. L'esprit d'Anna. Donc, c'est un jeu qui mélange plein d'anciennes histoires. Plein de... À mon avis, c'est la région de Blackwood. Blackwood, c'est là où ils sont. À mon avis, elle doit être maudite, tu vois. Je pense que tous les drames qui s'y sont passés créent de nouvelles malédictions. Et Anna, je pense que son esprit continue de errer sur Terre pour se venger. Anna, je vous rappelle qu'elle a subi un prank avant de mourir. Presque tout le groupe d'amis se sont foutus de sa gueule. Un des gars a fait semblant de la draguer. Lui a laissé un petit mot pour lui dire de venir dans la chambre. C'était une meuf, à mon avis, très timide, tu vois. Et le mec a fait genre, tu vois, dans la chambre, éteint la lumière, il lui a demandé de se déshabiller, Elle a commencé à se déshabiller, et là, elle a entendu des rires. Il y avait toute la bande de petits copains qui étaient cachés dans les armoires, sous le lit. Il y avait même Matt, l'enculé qui a... Pardon, excusez-moi. Le méchant qui a décapité le cerf et qui s'est fait tuer derrière, qu'on a laissé tuer parce que... Hein, lui, il avait une GoPro, il filmait toute l'action. Donc, il y a eu ce prank-là, elle est partie dans la forêt, et ensuite, elle est morte. Et là, moi, ce que je pense, c'est que dans la maison de poupée, on vient de voir une reconstitution de cette scène, et je crois que Anna, elle veut sa vengeance. Ok? Et je crois qu'Ashley mérite pas cette vengeance. Chris, je sais plus où il était, mais... On va voir. Insane! Let's go. Bien vu, par contre, hein, bien vu, là. Ouais, c'est des gros cons. Ouais, c'est ça.
Oh là, c'est pire. What is going on here? Oh god, it's ouais, si c'est ça. It's not like anything. That's us hiding there waiting for Hannah last year. But ouais, c'est ça. So accurate. I mean, that's exactly where I was sitting and that's where Matt was. This was set up by someone who was there. Or someone or something that was watching us. Maybe it's a warning. I think someone put this here to mess with us. No, it has to be the ghost. It's trying to tell us the maniac killed Hannah and Beth. I think it's this bastard that he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Ashley, elle était pas dans la pièce? Elle était pas dans la pièce avec tout le monde, Graham? Non? Na-na-na-na-na-na. Ouais, mais t'es une psychologue, t'es une psychopathe aussi, compote, je pense. Et j'ai la photo si tu veux, mais pas maintenant. Journal intime. It's Hannah's diary. Maman a fini par dire oui. Les invitations sont parties, la fête va avoir lieu. Je déteste devoir attendre. Jusque là, Ash, Matt et Sam ont dit oui. Pas de réponse de Mike. Voilà, à mon avis, elle kiffait bien Mike et Mike s'est foutu de sa gueule. Oh my god, Mike a confirmé. Il a appelé Josh cet après-midi. Ouais, on dit merde. Ouais, tu vois, il y a un petit Mike avec un cœur et tout. Wouhou, demain c'est la fête. C'est moi qui lis en fait. Hot tubs and OMG, Mike, I am so psyched to spend some time with him. I can't read this. It's okay. So sad, Chris. Je voulais bien lire, hein. Attends, c'est tout? Je peux pas... Y'a pas d'autres pages? J'ai cru voir Soty dans une valise. C'est la fameuse porte qui était là-bas, là? Tu sais que dans une situation pareille... Genre, une situation de réel danger, quand t'es avec quelqu'un, genre, il y a une règle, c'est le contact physique, tu vois. Genre, il faut, quoi qu'il arrive, qu'on ait là une main qui s'accroche. Soit qu'on se donne la main, soit que la fille s'accroche ou que je m'accroche à son vêtement, mais il faut rester tout le temps en contact. Après un meurtre, putain. Ça a été trop vite, je l'ai pas vu, mais c'était près de la maison de poupée, Anaïs. C'était près de la maison de poupée. Ah, il fallait regarder Anaïs, il fallait voir. Hein. Attention. Sam? Est-ce qu'on va trouver Sam ici? Alors... Ah, cool. See it, Chris, for real. I saw something. Ça a changé un peu. But where'd it go? Est-ce qu'il y en a qui ont eu peur? Parce que, alors, je vous avais dit que le jeu, je trouvais que les screamers étaient bien faits. Mais là, aujourd'hui, les screamers, ils me font pas trop peur. Peut-être parce que je suis distrait, tu vois. Hey, look at this. Mais genre, celui-là, il m'a pas fait peur. It's a catalog for industrial light bulbs. That is so random. Hein? Ok. Look. Lampe d'origine pour projecteur de type RB. Ok, ça aura son importance. Oh, les ciseaux, prends-les. Oui. Allez, dans la poche. Hop là. J'espère que c'était pas Soty. Je voudrais que Soty surveille les tranquillisants. La puce lavait les mains. Il y avait de l'eau, j'ai pas fait gaffe. En vérifiant que tu donnes la main à la bonne personne. Mais oui, mais justement, tu t'assures que le contact il soit réel et bien, et tu ne coupes jamais ce contact. Tu vois, Caillou? Là, genre là, à quel moment on se perd de vue dans une situation où ton pote s'est fait assassiner? Ou toi-même, tu t'es fait assommer, et elle aussi? À aucun moment tu laisses ton pote faire deux pas de plus que toi, tu vois. I don't know if I want to keep going.
Que t'explores, ok, mais t'explores pas... Enfin, tu vois, tu fais ça mieux. Mais bon, c'est un film, enfin, c'est un jeu. Moi, j'aimerais un jour être... Alors... C'est stylé, là. C'est ici que Sam a été capturé. Moi, j'aimerais un jour, alors pas être confronté à la mort d'un de mes potes, évidemment que non, mais confronté à une situation de stress intense. Tu vois ? Ça m'arrive jamais. Heureusement. Mais une situation qui requiert un peu de survie, tu vois ? De pression, de peur. J'aimerais bien vivre ça. Genre, comment tu réagis, tout ça ? Est-ce que tu tiens le coup face à la peur, au stress ? Est-ce que tu prends les bonnes décisions, tu vois ? On a la chance dans notre petite vie, pour la plupart d'entre nous, de pas... Ouais, je vais un peu plus loin, mais de pas avoir de situation traumatisante. Bon, là, c'est cliché, tout ça, mais... Ouais, est-ce que je veux dire un petit peu quand même ou pas ? Oh, non. La plupart d'entre nous, on sait pas comment on réagirait en situation de stress. Putain. Bracelet de Sam. C'est là que la manette a bougé et m'a fait cramer. Ma manette PlayStation 5 qui déconne, probablement déjà. C'est sa sœur ? Ouh ! Saute en parachute, ouais, c'est prévu. C'est prévu. Mais là, j'ai pas beaucoup de choix et de décisions à prendre. Là, je dois juste contrôler moi, tu vois, mais... J'ai pas de décision à prendre, tu vois. Je comprends pas comment tu peux avoir envie de ça. Ben... J'ai pas vraiment envie. J'ai pas envie de connaître des drames, mais je sais pas, savoir comment je réagirais, me contrôler, tout ça. C'est... Curiosité, je sais pas. On serait tous déçus de notre réaction. Mais peut-être pas, Kuro. Alors, déçu dans quel sens ? Je sais pas. Il y a les gens qui, peut-être, pour aller dans le cliché... Bah non, de toute façon, ça va trop loin, la discussion. Mais... Mon instinct prend le dessus. Mais justement, j'aimerais vivre une situation où mon instinct essaierait de prendre le dessus et où ce serait à moi de maîtriser cet instinct, tu vois, pour faire les choses encore mieux. Allez, let's go. Je ne pense pas que je peux prendre plus de ça. Yeah, I'm about at my limit here too. All I wanted to do was forget last year ever happened. And... To be honest, I'm not sure what Hannah thought she was doing. Yeah, well, you know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great, so you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation. Oui, connard. Essentially caused her to run away and never to be heard from again. If it was you. Don't you think you would have run away? I mean, who likes being made fun of? Il parle du prank qu'ils ont fait à Anna. People don't make fun of me. To your face. What? Chris, we made her look so stupid in front of all of her friends and the guy she liked. I can't imagine doing anything worse to somebody. Du coup, est-ce que merde, c'est pas ça, c'est R1. C'est où que je peux voir ma situation ? Ah, je peux pas voir ? Ah si, c'est ça. Pas très courageuse, pas très drôle et pas très romantique. Curieuse, charitable et honnête. Ok. Affinité avec Chris, Matt il est mort, de toute façon on s'en bat les couilles. Avec Josh, ça avait une bonne relation. Bah ouais, hein, les autres, ils ont pas eu le temps de se parler entre eux, quoi. Ok. Les photos que j'ai pu trouver. Ah bon. Ah, attends, je lis un peu un message, là. Juste la fois où j'ai été sur la trajectoire d'un fouillard poursuivi par la police, j'étais resté là comme une merde sans réagir alors qu'on... En tendant le bras, j'aurais arrêté le gars. Je me suis tellement déçu de moi-même ce jour-là. Tu nous as fait une Spider-Man, là. Est-ce que ton oncle derrière s'est fait assassiner, Kuro ? Non, en vrai, je dis ça pour rigoler. Mais ça, c'est différent, comme l'a dit Kayoki, mais je vais dire la fin de son message à elle aussi. Tu serais mis volontairement en danger. Ouais. Là, t'es en position de pouvoir faire le héros. Mais ça, c'est demander à personne, tu vois ? Encore le héros, c'est un grand mot. Là, t'as rien à te reprocher. C'est pas ton job. Si t'avais pu sur le moment aider quelqu'un qui était en danger, là, ok. Là, il était fouillard, il était poursuivi par la police. La police était... Enfin, était là, elle faisait son job, tu vois.
On va pas demander à quelqu'un d'être bagarreur et fort comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Par contre, si un mec tenait un peu trop fortement sa copine, par exemple, tu vois, pas la frapper, mais la tient fortement, tu vois, qu'il y a un souci. Si là, tu passes à côté, tu dis rien, là, tu peux t'en vouloir, tu vois. Ici, tu sais pas trop ce qui se passe, c'est dangereux, peut-être, tu sais pas trop. Mais, tu vois. J'ai dû informer, désolé. Mais quoi? Mais non, on discute, on est bien. Bon, Kuro, y a aucun souci, on discute. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Mais je comprends. Je comprends, mon ami. Je comprends. Mais il faut pas trop t'en vouloir. Je te rassure, justement. Ça roule, compote. Ça roule. Je compterai sur toi. Des bisous, hein, compote. Merci à toi d'être venu. Bon, y a un objet là-bas, mais... make fake newspapers. Des faux journaux? À quoi tu vois ça? À quoi tu vois ça que c'est des faux journaux? Sur l'étiquette d'avant? Mystique tout ça, hein. Si on s'attaque au tien, je pense que t'aurais bougé. Bah c'est ça, Kuro. Je pense que c'est ça, que ça c'est vrai. Je pense que t'as raison, Miko Mike. You know what? No. Ash. No, I've had enough. I'm not going down any further into this nightmare, Chris. Ashley, I understand, okay? I'm really freaked out too, but if Sam's down there all alone with a maniac and we leave, we're basically killing her ourselves. On va chercher Sam, hein. Sérieusement. God damn it. Ashley, come on. Why are you always right? I'm not always right. Well, when you're right, you're right. I don't want to be. I want to leave. No. We've got to find Sam. Let's go. Non, mes lunettes. Attends, Chris. Elle fait tomber mes lunettes de gamer. Il y a ce côté fantôme et apparition et tout, mais on sait qu'on poursuit quand même un psychopathe aussi, tu vois. Hein? Quoi là-bas? Chris, ah, c'était pour lui parler. I'm getting a really weird feeling from all this. What do you mean? Well, I can't shake the feeling that those fake newspapers have something to do with the guy who killed Josh. Wait, like what? Like it's a setup or something? Yeah, but I mean, how? It's just, it almost makes sense, but it just feels like we're missing something. Bah écoute, on va continuer d'enquêter, voir ce qui se passe. Attends, on va voir ici dans le coin, là. À mon avis, il n'y a rien. Okay. Let's go par là-bas. Ah, je peux pas aller plus loin. Ah, je pensais, merde. Oh, y'a que du love. Oh, y'a que du love pour Kuro. Et ma pipou dans l'ombre. Ça roule. Et t'emballe pas, on sait tous que t'es un psychopathe, hein, Kuro. Attention, hein. On l'a compris ce soir. Donc t'emballe pas trop non plus, d'accord? Hein? Ok, des batteries, tout ça... Des batteries, des interrupteurs et des minuteries reliées ensemble. Tout ceci permet de contrôler des appareils électroniques à distance. Bah moi, j'essaierai de tout débrancher parce que... Il y a deux boutons, là. Mauvais signe. Si le mec a encore fait une installation à l'assaut, là, où on va devoir choisir qui tuer. Il y a une porte, là, je peux? Non, on doit continuer tout droit, d'accord. J'ai peur pour Sam, hein. J'ai le seum qu'elle se soit fait capturer, hein. On aurait pu éviter ça si ma manette, elle était pas... Hein, cassée.
Sam? Des chaînes et des crochets ensanglantés, on dirait du matériel venant d'un abattoir. Ça vaut vraiment le coup ces photos d'investigation, hein? You think all this stuff is... Is quoi? Ah oui? Unless the Washingtons were into some freaky shit in their spare time, then yeah, probably. Kayoki, t'es encore là? Oh, oui, t'es encore là. Il est quelle heure là? 23h20. Je me demande, est-ce que j'aurais... Ah non, je peux pas demander ça, mais... Moi, dans ma tête, il y a un moment, on arrêtera ce soir, et je me dis que potentiellement, il y a un troisième stream sur le jeu, tu vois. Mais peut-être que je m'en fais trop. Je parle à Kayoki, donc personne ne me donne d'indice sur quoi que ce soit. Je te demande pas de me spoiler, enfin, de me dire les trucs, mais... Je me demande un petit peu, est-ce que tu penses qu'il y aura un troisième stream ou pas, Kayo? C'est nous. Oula. Pourquoi il a les yeux en croix? C'est Mike, ça? Il a deux croix sur les yeux, lui. Il y a plusieurs histoires qui sont liées ensemble. Tu penses? Ah, ce serait cool, chef. Saucisse, la saucisse, lol. T'avais vu avec JDG? T'avais vu quoi avec JDG? Un super séduceur, ouais, bien sûr. I mean, what is this, like a fucking hit list? Christ. J'imagine que la durée du jeu dépendra de ma manière de jouer, bien évidemment, mais... Attends, il y avait une porte là-bas, Chris! Monsieur Chris, vous êtes loin! Les gars, j'ai faim. Oh crap. Ah, il y avait une porte. What? Might be Sam's. All right, let me see if I can get this thing. Regardez. Hein. Yeah, I got it, but oh damn, this thing is heavy. Elle va se refermer sur toi, mec. I can't hold it. Yeah. Oh, come on. Chris. Wait, what? I think I just saw Sam over there. Ash, are you sure? I don't know, but come on, I think we should check it out. Oh, c'est pas le moment de vous séparer. Okay, so we really gotta get moving, like now. Enquêtez le moment. Suivre Chris, on se sépare pas, on se sépare pas. Okay. On se sépare pas. Les gars, s'il est devant vous là, il y a un mec juste là, derrière la porte là. Mais il y a d'abord, il y a un générateur là. Il y a un mec juste là, ici, là. Là. C'est qui? Et c'est qui, en dessous? C'est un mannequin? Mais les gars, évidemment qu'il est sûrement là. Évidemment qu'il est sûrement là. Mais soyez logique un peu. Putain, les portes qui claquent et tout, vous dites pas qu'il y a quelqu'un. Oh, vous êtes nuls. Bon, la porte là, elle est fermée. Bonsoir, Wanxo. Sam. Si tu t'arrêtes dans pas trop longtemps, il y a de quoi faire un troisième stream. Peut-être pas de 4h, mais normalement, ouais. Ah, ok, Kayoki. Avenue, il te reste 3h, ça dépend comme tu joues. Ok, ok. Ouais, donc à mon avis, on va pas s'arrêter trop tard aujourd'hui, ok? C'est vrai que là, j'attends de voir s'il y a encore le mec qui va nous parler, le Dr. Hill. On va voir, mais... on va voir, ça va. Merci de l'info, Kayoki, t'es la boss. Wanxo, installez-vous très cher. C'est la brise matinale qui fait claquer les portes, pourquoi avoir peur, oui? Alors, si t'avais vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, t'as loupé des dingueries. T'as loupé des dingueries. Le jeu m'a énervé. Les gens sont cons. C'est... J'ai envie d'expliquer l'histoire du cerf, mais là, ça sera trop sorti du contexte. Mais je te jure, Wanxo. Sam? Are you there? Sam?
y a une porte. Sam! Je peux pas aller par là? Je peux aller par là au moins? Sam, are you there, Samonette? Oh Chris, oh no. Sam, please, 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 sorry, c'est la manette, c'est pas ma faute. Oh, elle s'est fait lobotomiser. Attention, je l'aime bien, Sam. Holy shit, holy shit. She's not dead. How do you know? She's still breathing. Eh ben, essayez de la toucher, voir ce... Wrong. She's been knocked out. Regardez à toi, par contre. Eh voilà. We've got to get her out of here. Oh shit! Ah! No, you brat! Stay the hell away from me! Ok, là, il faut pas que je fasse de conneries. Non, 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 non. Never learn. What? La fameuse scène qu'on a vue en flashback, là, en totem. Shit. Oh, crap. Ash. Elle va pas se réveiller avec la patate, elle va dormir, hein. Encore plus longtemps, hein. Ou la tête. Oh, Jesus, Ash, what did he do to you? I think he hit me. Shit, I'm gonna murder his fucking face off. What is this? Va dormir, Graham. Des bisous, Graham. Des bisous, bonne nuit. You murder a piece of shit. Bonne nuit, bonne nuit. Look around, we're gonna die, Chris. I don't think I'm ready to die. No one is going to die. I wish I could tell you. It's just not fair. What? Tell me what. It's what, tu l'aimes? Chris, what's the point? Stop it. Just say. We're always talking around it, and now, I mean, we've wasted everything. Ashley, none of it was wasted. Je t'aime. What tu me plais. Mean? Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my time. La morale, n'attendez pas d'être kidnappé par un psychopathe et d'être sur le point de mourir pour avouer vos sentiments. Ok? Si vous aimez quelqu'un, vous lui faites comprendre. D'accord? Sorry. I should have told you how I felt. Chris. Ashley, I swear when we get out of this. Oh god! No. Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die! Hello there, my special little subjects. Oh, no, shit. Scared, Chris. Don't be scared. Oh, you should be, Ash. Because here's the twist. Chris has made one fatal choice already today. And now, he must make another. Chris, you can take that gun in front of you and shoot Ashley. Attends, y'a peut-être moyen de tirer. Y'a peut-être moyen de tirer sur un câble. Attends. Is yours. Bien tenté, mais. Wait. Hey, non, j'ai rien fait. You can do it, Chris. Calme-toi, frère. Attends, j'ai à peine touché l'analogue. Chose to save me. Attends, non. 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 Pose ce gun tout de suite. If I do one last thing in my life, let me do this. Chris, please. Oh God. No. Si je fais rien ce coup-ci. Oh God. Mais ils vont mourir tous les deux. Tant pis. No. Too far now. Don't you see? Huh? Don't you see that this torture porn
has gone too far. Now, what gives you the right to play God in these people's lives? What makes you so special then? You're sick! You're a sick fuck! Now, what the hell have you done to them? What the hell have you done to them? Psychopath. Psychopath! Bon, bah, eux, ils ont survécu. Hein? Je peux pas me laisser comme ça. En fait, alors, calmons-nous déjà. Parlons de ce qui se passe, là. C'est horrible parce que, imaginez si j'avais rien fait avec Josh au tout début du jeu, enfin, au tout début du stream d'aujourd'hui. Peut-être qu'ils auraient survécu tous les deux. Le jeu, il aurait été si différent si Josh et Ashley avaient survécu. Ça se trouve, là, on sait pas, peut-être qu'ils vont mourir, mais là, pour moi, on les a fait survivre. Hein. Le pire, c'est que je te l'avais dit. Ouais, mais moi, oui, c'est vrai, c'est vrai. 17h30, c'est tôt, là. Mais il est pas 17h30 chez moi. Mais même, c'est pas parce qu'il est tôt. En fait, faut comprendre un truc, les gars. En fait, il faut juste comprendre un truc. Écoutez-moi. Il reste pas beaucoup de temps de jeu. Quand je dis pas beaucoup, il reste quand même plusieurs heures, tu vois. Plusieurs heures. Si là, je joue encore une heure, il restera presque rien la fois prochaine. Presque rien. Ce sera chiant. Et si je fais tout ce soir, il sera 2h, 3h du matin, et vous allez tous partir parce que il est trop tard. Donc à un moment, en tant que streamer, je dois faire des choix. Et oui, les amis. C'est la dure réalité de la vie. Hein. Mais ouais. Hein. Non, nous, on reste. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc, voilà, on peut discuter, je pourrais peut-être lancer un autre jeu, j'en sais rien. Mais en tout cas, celui-là, pour ce soir, il me semble qu'il faudrait s'arrêter ici. Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que là, aujourd'hui, c'est devenu très, très, très intense. Et la suite, ce sera... lundi ou mardi. Pas le choix, les amis. Bah ouais, le choix du daron responsable. Alors, c'est même pas responsable, c'est que juste, voilà, il reste réellement au moins minimum 2 heures, tu vois. Et dans 2 heures, tous les petits bébés, vous allez dormir. Donc voilà, quoi. Ouais, il y a eu du sang, voilà, Kuro, il y a eu du sang ce soir. Ça va, c'est cool. Hein? On fait durer le plaisir. Peut-être que la fois passée, j'aurais dit jouer un petit peu plus longtemps, et aujourd'hui, on aurait pu jouer un peu plus longtemps et terminer. Mais je suis obligé de faire ça en stream, sinon on peut se ruiner la fin, être 5 dans le stream à la fin à suivre. Enfin, tu vois, il faut réfléchir comme ça. J'ai pas le choix, les amis. Ça va? Donc YouTube, c'est la fin de cet épisode et de cette session. YouTube, j'espère que ça t'a plu. Je sais que c'est brusque, les amis. Mais voilà, YouTube, des bisous. Hein. Des bisous, YouTube. On essaiera de sauver le reste des gens la fois prochaine.